Chers amis, bonjour. Vous voici sur Métiftah, un mois de juin. Un mois de juin où le soleil commence à poindre. Et vous savez que les reines de la météo donc, nous donnent le temps qu'elles ont fait. Non, non, pas le temps qu'il fait, c'est celui qu'elles ont fait. Aujourd'hui, il fera beau. Comme hier, il a fait un temps plutôt moyen avec des nuages lourds. C'est. Hein, le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Hein, vous vous souvenez de ça? Envoyez-moi un petit mot et dites-moi ce que ça vous rappelle. Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Comme là. Bon, quand même. Et Métita, c'est une piste, mais c'est aussi un jeu de piste. Hein. Oui, toutes ces grâces de la météo, ces grâces, les grâces, ce qu'on appelle les grâces, hein, c'est-à-dire les muses, mais bien sûr. Hein. Pour cette semaine, ça ira mieux. La semaine prochaine, ça dépend de leur humeur. Puis ça dépend de l'anticyclone, c'est ça. Hein. C'est ou d'un volcan qui crache à sa guise, voilà. Hein. C'est ça. Non, non, c'est. Non, mais elles sont très fortes. Elles sont très, très fortes. Bien sûr. Elles n'ont pas des noms, celles-ci. Elles ont des prénoms. C'est-à-dire que. L'Éthiopien. À quoi ça ressemble? Regardez ça. Vous avez vu cette petite merveille? Hein, c'est. Et ah, et l'Éthiopien. Voilà. Voilà, des signes arrondis. L'Éthiopien, avant les Anglais, s'écrivait de la droite vers la gauche. Eh oui, vous avez vu où ils sont situés, hein, ce pays du café. N'oubliez pas que c'est là-bas qu'on a trouvé le café pour la première fois, sur les plaines de Kaffa. Je crois que je voulais raconter sur Métiftah. Vous savez, je raconte tellement de choses que je ne sais plus si c'est là ou pas, mais en principe, c'est là. Et une fois que on a l'éthiopien, ben l'éthiopien a pour langue officielle donc une langue sémite, l'amharique, parlée donc par plus de 10 millions de personnes. Il existe le tigréen, province donc du Tigre, et le gèze, utilisé comme langue religieuse. Beaucoup de mots donc sont proches de l'arabe. Le grec a laissé des traces pour les mots religieux. L'italien a laissé quelques traces pendant l'occupation donc fasciste et le marché donc sera le fameux mercato. Voilà donc vous avez ça dans l'histoire des écritures en ce qui concerne donc l'Éthiopien. À présent donc on continue notre daphyomie, c'est-à-dire cette page quotidienne et n'oubliez pas écrivez à la main, je vous le dis très souvent. Oh, je vous dirai tant que j'écrirai à la main, c'est-à-dire jusqu'au dernier souffle. Je pense même que là-haut, ils me feront une petite place avec un petit pupitre où enfin je pourrai écrire à la main. Différence, c'est que l'encre sera là. Hein. Tout simplement, ah ben oui, elle sera plus que sympathique. Qui sonde les reins, sonde le cœur. Les reins représentent la force et la fragilité. Extrait, donc, les excès. En sels minéraux, des glandes surrénales sécrètent les hormones sexuelles ainsi que l'adrénaline qui a un pouvoir sur le système nerveux. Le rein, donc en araméen, se dit kilia, kilia, qui est là? C'est important? Non, kilia. Le rein se dit phrénos en grec, néphros signifie l'écoute, phroné signifie pensée, phronis, le bon sens. Donc les reins symbolisent l'épouse, nessouah, ça on le retrouve en vieil araméen, sponsa en latin, la femme qui porte et qui est portée. Donc le sel, mélah, donc, et l'araméen donc, nous donne le pain, lehem, ou le cerveau n'est qu'une masse de moelle. Mais dont on peut faire quelque chose. Non, c'est pas Emoa, 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 mais Moa. Voilà. Donc ça, c'est pour le rein qui n'est finalement que la paupière du cœur. Donc la paupière se dit af, af. Des enfants trouvés.
Et oui, hein, donc, on n'en cherche pas les enfants trouvés, on les cherche pour justement les remettre en place ou en tout cas dans des bonnes familles. Un enfant qui porte le nom d'un mois de naissance est un enfant trouvé. Janvier, février, avril ou Abrial, juin, le fameux maréchal juin, Daoust, qui va donner Davout, hein, il y a à Paris, on appelle les boulevards des maréchaux, vous avez le boulevard Davout, qui lui-même était un général d'empire. Le guet a-t-il fait le bonheur donc de vivre? Une pierre fite pour borner donnera perfite, ou Laffitte, quant à celui né dans une étable, c'est pas compliqué, Bory en gallois, donc il s'appellera Bory ou la Bory. Quand l'estomac a de l'estomac, manger c'est ingérer. Ingérer en araméen c'est ochel. Donc tout colle avec le aleph de Elohim. L'estomac est une forge. Une forge, donc c'est le feu, esh. Tout commence par le feu, bereshit. Brit et esh, l'alliance du feu. Quant à Adam, il ressemble à l'Éternel, se nomme Damoth, Damoth. Un homme vit 120 ans. La vie d'un globule rouge aujourd'hui, c'est 120 jours. À 50 ans, vous êtes encore qu'un jeune adolescent. Tout état est réalisé. Globule rouge, globule blanc, allez, hein, vous êtes là dans une myriade de couleurs. Ah, parfois, ça vous arrive de dire, hein, je suis tombé sur un os. L'os se dit en araméen. Etsem, Etsem, formé sur la racine Ets, Ets qui veut dire un arbre. S'il y a un os, il y a une vertèbre. Donc, Roula, la vertèbre réelle, bijou et le maillon d'une chaîne. Donc, Matsa, Matso, être au milieu. Quant à la moelle, Moa, elle a pour vocation de s'effacer, Maot, afin que l'être se réalise. Bien entendu, le corps, comme vous le savez, n'est qu'un paquet, hein, de viande. Vous savez, paquet en vieux phénicien voulait dire presque 1000 personnes ou un poids de près de 150 kilos. Alors, vous voyez, on peut, hein, on a encore de la place, hein, pour certains d'entre nous, donc à grossir. Mais ce qui est important, le jour où on aura une âme qui pèsera 150 kilos, peut-être que le monde changera à ce moment-là en esprit et non pas en chair. Excellente journée sur Métifta Université et n'oubliez pas, écrivez si vous voulez qu'on réponde.